Hey yo, salut les amis, c'est Mercos, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est la toute première vidéo que je tourne avec mon tout nouveau téléphone, donc le Sony Xperia XZ. Donc je vous ai préparé une petite vidéo pardon, je la refais unboxing. Je sais pas si elle est de très très bonne qualité, je l'ai pas encore regardée. Je vais essayer de regarder ça et de voir si je peux vous la sortir en début de semaine prochaine. Mais pour le moment, comme tous les samedis ou presque, on va commencer donc par un up, donc d'un R4. Je vous l'avais promis quand je vous ai parlé de Ant-Man. Donc c'est Cyclope, donc qui va passer R4. En plus j'ai de la chance, j'ai la quête solo, donc progrès mutant. Donc ça tombe pile poil, on est nickel pour faire le up. Donc de notre petit Cyclope doublé. Ah, j'avais hâte de pouvoir vous tourner cette vidéo. Et là, franchement, j'ai pu tester le jeu depuis hier soir sur le nouveau téléphone. Il est extrêmement fluide et rapide. C'est hallucinant. Ça m'a même le Z3 que je trouvais hyper rapide, en fait, je me rends compte qu'il laguait totalement, quoi. C'est hallucinant. Vous allez voir, les temps de chargement, c'est très très court. Allez. Hop là. Bon. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup monté. Niveau 8, il n'a pas encore dépassé les 3000 en indice. Mais ça va venir très très vite. Normalement, j'ai du stock, il me semble. Oh, j'en ai pas tant que ça. Allez, on va prendre du gros pour le moment. Ah, j'en ai encore là que j'avais pas vu. Toc, toc, toc. Allez, on va taquer direct avec les 5000. Niveau 21. Allez, putain. Ah, je suis trop content de pouvoir enfin monter le Cyclope. Depuis le temps que je voulais le up. Là, il va commencer à devenir extrêmement puissant. Je pense que pour défendre Ja, il risque d'être assez chiant. Toc, 3222. Ok, alors. Ensuite, on va reprendre ça. Voilà. On va bouffer tous les ISO mutants. Après, j'ai pas mal de science, je crois. En 5000, je vais pouvoir en utiliser quelques-uns. Parce que je peux pas trop parler, parce qu'étant donné que vous n'avez pas eu l'opening, si je parle trop ou si je monte trop, vous allez avoir des infos que je ne voudrais pas forcément vous donner. Tout de suite, en tout cas. Donc, j'évite non plus de trop parler, on va dire ça. Là, je vais même utiliser du violet, c'est pas grave. Ah non. Non, je vais le garder le violet. C'est pas grave. Trente-quatre. Allez, il nous reste plus que 6 niveaux à faire. On va utiliser ces merdouilles là. On va éviter d'utiliser toutes les couleurs. On va vraiment essayer d'utiliser un maximum de basiques. Hop, voilà. Allez, bientôt 36. 37 même maintenant. Ah, son IP va être très très intéressant. J'ai l'impression. Ça, on va utiliser ça. Hop là, voilà. Donc le voilà niveau 40. Et ce qu'on va faire avant de finir, je vais
Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais. Tac, tac, tac. On va finir, voilà. C'est ça. Si je peux, je sais pas si j'ai assez. Je vais finir le up de guillotine que j'ai pas pu finir la semaine dernière. Hop. En tout cas, si j'ai. Enfin, j'espère avoir assez de. D'or. On verra bien. On reprend un petit peu, c'est pas grave. Toc. J'aurais peut-être pas assez, mais il me manquera vraiment pas grand-chose en or. Donc ouais, non, j'ai pas assez, c'est pas grave. Mince. C'était pas dans la boutique que je voulais aller, mais c'est pas grave. On va aller ici, on va aller dans catalyseur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se vendre 3 catalyseurs alpha. De toute façon, c'est pas grave. On va faire ça. Et hop. Et j'en ai encore 3, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'ai encore une dizaine en stock. Donc les catalyseurs, c'est pas très grave. Allez où, allez où? Elle devrait être par là, là. Ouais, j'essaye d'éviter de vous montrer trop d'informations. Ça m'embêterait de vous gâcher certains plaisirs. Hop, voilà, comme ça. On a fini également de monter guillotine. Ça est toujours un 3 étoiles maxé supplémentaire. Voilà, 1936. Voilà, c'est nickel. Et donc, ce qu'on va faire, c'est aller faire un petit combat avec notre ami Cyclope. Je vais essayer de trouver quelqu'un de pas trop puissant, qui n'ait pas forcément de bonus ni de malus. Je vais pas les moto-taper. Speeder. Voilà, on va laisser faire Speeder parce que quand vous regardez bien sur mon alliance en tout cas, en termes de tous les personnages les plus puissants, c'est soit du tech, soit du mutant, soit du virtuose. On voit très très peu de têtes science, mystique et cosmique. Donc c'est pas très très simple de. Quand on blague, du coup, quand je voulais pas faire ni bonus ni malus, c'est pas très très simple. Hop. Excusez-moi. C'était pas prévu. Et mince, j'ai merdé. C'est pas très grave. Là, je suis pas dans le combat. Si j'attaque, le problème c'est que je risque de lui mettre Bagdad. Si j'attaque Max P3, de toute façon c'est pas grave. Je vais en refaire un quand même, un combat. Juste pour vous revoir parce que là j'étais pas trop dedans. Et puis là, on est qu'à 9 minutes de vidéo, on est large. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller faire un duel contre Merlin et son Docteur Strange 5 étoiles. 5 étoiles, 4 étoiles R5. Ça peut être marrant. Je dis pas que je vais gagner. Mais Laetitia me l'a demandé la dernière fois quand j'ai fait un duel, elle m'a dit de le faire contre. Je sais plus c'était quelle vidéo. C'est peut-être quand j'ai monté mon Ant-Man. Je crois que c'est quand j'ai monté mon Ant-Man 5 étoiles de R2. Je crois qu'elle m'a dit, ouais, fais un duel contre le Strange de Merlin. Bah écoutez, on va aller faire ça. Elle nous l'a demandé. Je lui ai dit que je voulais pas le mettre sur la paille, donc je voulais pas lui faire trop mal. Mais bon, elle l'avait demandé, donc tant pis.
On espère ne pas prendre de dégâts avant que l'aspect 2 arrive. Enfin, pas de dégâts de coup. Ah, j'ai raté! Bon, c'est un blocal quand même, mais bon, c'est toujours chiant. Voilà. Pour l'instant, on est vraiment pas mal. Même s'il tape fort. On est plutôt. On est bien. On est déjà à 35 coups. Ah! Il a réussi à me passer, à me briser mon armure, j'ai mal géré. Allez, à moi de te montrer c'est quoi. Et voilà! Le Docteur Strange de Merlin est tombé. Je vais pas dire facilement, mais mine de rien, il a fallu lui mettre 48 coups, lui, avec 2 coups et quelques coups dans la garde. Il nous a quand même mis quasiment 1000 life. J'ai trouvé que c'est un combat plutôt sympathique. Voilà, moi je me. J'aime bien les faire les petits combats comme ça qui sont assez corsés, mais bon, comparé à un RDL ou un LOL, il y a beaucoup plus dur. Voilà, sur ce les amis, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye!